Good morning, everybody. Bon dia. We are very happy to be here today. We want to acknowledge Clara and Ricardo and Marta for organizing this. And well, for getting us together, it's always nice to hear new approaches, new people, old approaches updated. So thank you very much for hosting us here. Congratulations, lady. I'm very impressed, really. I will present something that has been presented before, but it's something that is 30 years old and is growing and is moving and is being exported to different countries and now into Senegal. So I think it will be good after your presentation. Just a quick situation in the Gambia. Gambia has a prevalence of 76.3%. As it's been said before, prevalence varies by regions and ethnicity. In Banjul, this is the mixed data, 56%, and then in Basse, which is just in the more oriental part, is 99%. Just a brief gender situation analysis. Women 15-49 years who believe FGM should continue, 64.2. The prevalence was 76.3. And then something which I think that, as you say, things don't come into a vacuum, political or social thing, if we don't consider the framework where gender relations move, it's difficult that we can have a clear picture or the whole picture. Percentage of women aged 15-49 years who believe a husband is justified in beating his wife or partner, it was 74% in the mix 2005-2006. In 2010, it was 74.5, meaning that it has increased 0.5%. Considering also that Tostan has been in the Gambia, it was the second country, the first country they exported. So, well, this can also clearly kind of support. I pay attention to. So I will present the methodology of the Transnational Observatory of Applied Research to Knowledge Transfer. It's a methodology that was born in 1989. The project starts in 1987 with a migrant population in Spain. In 1989, I moved to Senegal, Gambia, Guinea-Bissau to know who is a Mandinka, who is a Sarahule, a Jola, a Fula, a little bit know about migration, but mainly I was interested in gender. I was interested in sexual and reproductive health. So we created, we are at the Universidad Autónoma of Barcelona. This has become a strategic project of the university under the chair of knowledge transfer. So we have a transnational observatory with two research and knowledge transfer centers. One in Spain with the interdisciplinary group at the Department of Anthropology and in the Gambia through WASU Gambia CAFO. Today I'm invited here to talk only about the Gambia. But I will present the observatory because it's the only transnational observatory that has a circular approach. What we do is applied research. This is what we are researchers and we do qualitative and quantitative research. There has been ethnographic research for 16 years in the villages. Then we moved to focus group, barrier analysis, cases and preventive intervention. And then we have done clinical studies. I will move quickly so I can explain. KAP, Knowledge, Attitude, and Practices Service to health professionals and health students. And we are having in mind for many years, but it's very difficult due to ethical issues to develop an epidemiological surveillance system. So what do? With the knowledge we gather through applied research? We transfer the knowledge in advocacy, training, academic curriculum. We develop an academic curriculum, I will tell you now, the methodological proposal of initiation without cutting that was born in 2001, design of material, publications, and conferences. You have everything in the web, you can download every material. So the methodology is circular in the transnational space of migration, Spain and the Gambia.
Okay, it's longitudinal. It started in 1987 and is alive and kicking and moving, globalizing. And it's interdisciplinary. The base and the transversality is anthropology, but we have demographers, we have lawyers, and mainly we have health professionals. And we talk about migration, health, gender, childhood, human rights, co-development, and co-development. It is an innovative approach, it is scientific, it's respectful, it's holistic, and it's sustainable. So we have MOUs with everybody. We think it's very, very important to formalize the relation with the institutions we do work, because it means mainly in a country that was forbidden to talk publicly on the issue because of the aggressivity that other NGOs were working. For them to recognize that there is, that FGM is a problem, and for them to take responsibility from each of their places. So we have MOU with the Ministry of Health, Cuban Medical Mission, and all the nursing schools, the University of the Gambia, and the Women's Bureau. The methodology is a generation of knowledge through applied research. It's a bottom-up approach. It's 16 years in the villages that gave authority and legitimized somehow the knowledge in terms of going up to the top and then coming down. We went to the top in 2003 when we had the first cases in Spain of a family that came with three children, and the pediatrician called and said, listen, I have three girls that came cut from the Gambia. What should I do? And I said, well, the law just passed. You need to report. If you report, you need to know the parents go to jail between 10 to 14 years, and the girls are taken to a minors welfare center between 6 and 10 years. He got collapsed. I think it is a dilemma, a professional dilemma of the highest magnitude. Yeah. So I felt empowered to request an appointment with the Vice President of the Gambia, tell her that in Spain we have over 30,000 Gambians, boys and girls born in the Gambia, have Gambian national, born in Spain, have national Gambian nationality, that they don't do it in Spain, they bring it on holidays to their country, and grandmothers do the best they can do for the children is take them to the bush, and she has a responsibility, okay? So this 16 years bottom up somehow legitimized the knowledge of coming to the Vice President and tell her, this is what we found, and this is what we have in Spain and here. So the generation of knowledge through applied research started coming down in cascade. Institutions, professionals, communities, women, and youth. So the generation of knowledge and how we work, and how we work. In 2008-2009, there was a KAP with health professionals that revealed that 42.5% of the health professionals support FGM, and that medicalization is already a reality in the country. How did we do this, and how do we do research, and how do we get people in the basket, in the same basket? It was done with the Cuban Medical Mission, with the community-based medical program, the Ministry of Health, and this was done with the Cuban doctors, and the subject of biostatistics, instead of working on malaria or working on diarrhea, they work on FGM. So they went to collect the data, they analyzed the data, and they made proposals, okay? This was very, very important. 42.5% of the health professionals are in support. Of course, you have 76%, at that time it was 80% prevalence. So of course, they are in support. In 2008, the Vice President requested WASU to get the 250 Cuban doctors who cover 80% of the health professionals in the Gambia, doctors, to do the first clinical study. She wanted to know if the practice still exists, which ethnic group practice, which type, the consequences of each type. So this was
what she wanted to know. So we came out with the first clinical study conducted in the Gambia, and we did it with a school of community health nurses, and who, you know, were new coming on board. So you see how, you know, by every study that we're doing, different actors who have a lot of power in the field and in the communities are coming on board and are becoming part of the whole issue. In 2010, 2011, a clinical study too. We were teaching the first at the, no, that is wrong. It's a community, it's that side. At the School of Community Nurses and Midwives, it was the first batch of midwives. They were very experienced nurses, but it was the first time that they would get, like, let's say, a diploma on midwifery. They have attended lots of deliveries, and they were shocked when we were presenting the results of the clinical one, because they have seen all the consequences, but they have never linked the consequences that they have seen with FGM. So they got very proud and nervous about this, and they say that they were going to have a 4-month practicum, and they had to attend about 50 deliveries. So they request that if WASU could come on board and we can supervise the identification of the types and also the consequences. So, you know, we built another survey, and we worked together for these 4 months. So this one was, the clinical two was comparing women with and without FGM, the consequences during delivery, and the consequences for the newborn. And we start talking about sexual problems as a consequence of FGM. Hmm? In 2011, a KAP survey with men. It started also when we were training nursing students. A couple of girls got very nervous, and they said, this is a woman's issue. We don't want to talk publicly on this issue. And a boy stood up and said, listen, I have a mother, I have a sister, I have aunties. One day I will have a wife and I will have daughters, and I want to know what is this all about. So we designed a KAP for them. They went to the field, they collected data, what men think about. And the result is that only 8% of men take part in the decision, 71.7% were unaware of its health consequences, and when you inform about the consequences, 51.6% think that men have a role to play in its prevention. Okay? So what did we do in 2009-2014? The results of this study I will show you now. Health professionals are eager to abandon FGM. 71.6% of them regard it as a harmful practice with negative consequences on life and health, compared to the 42.5% that we had in the beginning. Since we are a scientific team, we are constantly monitoring and evaluating the results of what we're doing. And I think I'm a bit running out of time, but studies demonstrate the high magnitude of FGM health consequences in the girl when FGM is practiced, in women all lifelong, and in particular during delivery, newborns due to a longer and more difficult delivery in women with FGM. There is need to train health professionals in order to identify and manage the complications related to FGM, counsel, sensitize, and prevent, and not to medicalize. I just wanted to tell you that we don't have many friends, although, as you see, we have plenty of friends and plenty of MOUs in place, because in the first clinica, in the 4 months of data collection between December 2008 and March 2009, there is a period of, it's Christmas, schools don't, although it's a Muslim country, schools are closed, and it's a time when these ceremonies take place. So Tostan and another NGO, Gamcotra, were saying that URR, Upper River Region, the one that has 99% prevalence, is free of FGM. After this clinical study, in these 4 months, 110 girls came in URR with bleeding or infections to the two main hospitals. How many girls did not come? We don't know. Okay? So this is an evidence that they don't want to hear. Okay, so how many girls did not come? We don't know, but they sell that URR is free of FGM. So the knowledge transfer in Cascade, 2010-2016,
This is the cascade. We started, well, the government was very important, and then we designed the national training program for health professionals through the Ministry of Health, and we want to cover the whole country so everybody will get the same message. And we've been going down to the School of Medicine and Health Science. We have developed, you can download it from the internet, I left the materials to Ricardo, a manual for health professionals. This manual was validated by the Republic Committee, Research and Publications Committee, and then it was approved by the Senate of the university. And the content of that manual with the 10 modules is the content of the training program, okay? But since we are coming from an academic background, although, you know, we've been 30 years in the field, to make it sustainable, every single student coming from health science careers need to know what FGM is, what are the consequences, how to manage the consequences, and how to do prevention. So what we did is we integrated these 10 modules of the manual into the academic curriculum. So in medicine, it was integrated, we piloted in the career of medicine, and it was integrated in physiology, anatomy, gynecobstetrics, pediatrics, psychology, and community medicine. And then it was introduced in all health science, midwifery, public health, and nursing, okay? So you make it sustainable. Every single student finishing the career of health science is aware and knows how to handle and how to prevent. So we've been going down, and as you have said previously, it was very interesting because when we came to the TBAs, which are normally the excisers, they said, we cannot deal with this issue alone. We need to get community and religious leaders on board. So it was very good what you said, because we got religious and community leaders involved to support the work of the TBAs. And then we went down to communities and others. So we will get all health professionals in the country. When we talk about students, we talk about youth. When we talk about community and religious leaders, we're talking about men. And we are talking with community-based companions, TBAs, we're talking about women. The academic curriculum, I told you, the schools also, the supporting material also, and the results. I will go quickly on this because it has to do with something that was said before. Prof, so you were mentioning this. There was in 2011 in Mauritania a colloquium in West Africa of religious leaders, imams, ulemas, ustas, muftis. There were two muftis from Al-Azhar University in Egypt. And we presented the results of the clinical study. They came out with a fatwa against FGM. If there is evidence, because for a word, they have the word of God, so they will not listen any other word than the word of science. So science is saying that these are the consequences, and this is not what Islam is preaching for. So they came out with a fatwa. You have it in the web in Arabic, French, and English. So when I came back to Gambia, I told Vice President, I said, listen, this was a very good experience. We have a fatwa from these big, big, big people in West Africa, you know, as you have said, this big, that everybody will listen. So every year there is a gathering of big imams and ustas in the Gambia that are being trained on FGM. And then they can bring the issue in, it's a cascade of knowledge transfer, the methodology. So 2011, 2016, the training of religious leaders in the Gambia, opening a space for dialogue about the negative consequences of the practice, and it was organized by Women's Bureau. Again, the government is part of the process. 2011, 2020, the implementation of the national training program is still ongoing. 2012, 2015, we have exported the methodology in 4 universities in Kenya and Tanzania. The manual has been adapted to the reality of Kenya and Tanzania and has been introduced in health sciences. In 2015, providing evidence to the Gambian government and the National Assembly members to enact the law, December 2015, the law was passed
in the Gambia, thanks to the evidence-based results. In 2016, we scaled up the methodology. We started in Casamance. In Casamance, despite Tostan, there was, in April 2016, there was 200 girls in Kafuntin who were publicly taken to the bush. Okay, so despite the law and despite, you know, the work of so many years. And in 2017, the training of judges and magistrates that took place 10 days ago, it was very important. Some judges and magistrates did not even know about the law. And if they knew that there was something, okay, we're still having two cases in the Gambia. I don't have the time and I don't want to take your time. So, well, these are the results. Health professionals increased their ability to detect the health consequences. It was 40.9 who'd recognize. In the second, it was 62.3. And decreased support of the acceptance, 42.5 to 25.4. 53.8 established a link between FGM and religion. Now it came down to 24.6. You have all the articles published. You have everything in the web. This is the web. And if you have questions later, I will be happy to answer. Thank you very much. No. So, thank you, Adriana. Et maintenant, je passe au français parce que le prochain intervention sera en français. Et je veux introduire le professeur Abdoulaye Dorosso, qui travaille, qui est professeur de sciences sociales en Mauritanie et président aussi de l'équipe de recherche sur l'MGF au Mauritanie. Oui. Attends. Il va présenter, j'ai fait une traduction, je vais traduire comme ça, des contes à des argumentations contre-culturelles comme stratégie culturelle pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Je vous laisse la parole et 20 minutes. C'est bon? Ok. Bon, je ferai moins de 20 minutes, ça, si tout va bien. Voilà, donc. Enseignant vieillissant, j'apprends à l'essentiel à dire ce qu'il faut dans le temps imparti. La première des choses que je vais attirer votre attention, c'est en tant qu'homme, comment je me suis retrouvé dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Ce n'était pas évident. Je suis sorti de Dakar avec mes diplômes, on m'a recruté à l'université de Nouakchott. En 1997, j'ai une fille. Et la même année, je regarde un film, il y a une jeune fille égyptienne qui meurt à la suite de la pratique des MGF à cause de l'hémorragie. J'ai dit à ma femme, je suis Halpoular, tu es Bambara, c'est sûr qu'on va pratiquer, mais moi je veux qu'on fasse un moratoire culturel. On ne touche pas à ma fille jusqu'à ce que je revienne. Quand je reviens de la France pendant les 3 mois, si la culture a dit, la religion a dit, on fait, sinon on laisse tomber. Le deuxième élément concernant cette question, c'est ici d'une société Halpoular, comme a dit Madame Fatou Sarr, c'est très pertinent ce qu'elle a dit ce matin, il ne s'agit pas de généralité, il s'agit de comprendre pourquoi les gens font cette pratique. Moi, je ne réfléchis pas sur un pays, je réfléchis sur une communauté qu'on appelle Halpoular. La terminologie coloniale disait tout couleur, mais nous, nous disons Halpoular, ceux qui ont en commun le fait de parler une langue qui constituent l'essentiel de leur marqueur culturel identitaire. Troisième élément, vous ne verrez jamais dans mes travaux excision. Moi, je parle de mutilation génitale féminine pour attirer l'attention des gens que sur ce qui a été coupé, n'a pas été coupé pour des raisons d'ordre médical, mais a été coupé pour des raisons d'ordre culturel. Donc, ça nous permet dès le début de dire aux gens, écoutez, ce qu'on a enlevé là, ce n'est pas encore malade, ce qu'on a enlevé, c'est uniquement lié, si vous voulez, à des questions d'ordre culturel. Donc, pour moi, il fallait chercher comment, au sein de cette société Halpoular, comprendre vraiment ce qui se passe. Le premier obstacle méthodologique, c'est que le mot qu'on appelle excision ou MGF ne renvoie pas à la pratique. J'ai dit à mes parents, ça c'est quoi? On me dit, ah, quand tu fais tes thèses d'état en milieu poulard, on t'a ouvert les portes. Maintenant, tu viens t'intéresser, vu ton rang social, nous ne pouvons pas traiter de ces questions. Dans ma langue, on appelle ça haddade. Haddade.
Quand je te dis que ma fille a fait Haddadi, l'idée ne te vient même pas à la mutilation génitale féminine. Parce que Haddadi, ça veut dire nouer le pagne. Elle porte un pagne. Donc, le premier effort que doit faire l'intellectuel chercheur, c'est de débusquer le concept. Le concept n'a rien à voir avec la pratique. Donc, je considère simplement comment je vais lutter contre les mutilations génitales dans une ville comme Kaïdi, où les gens ne parlent pas français. Les gens parlent dans leur langue nationale. Moi, je fais partie de cette génération que Cheikh Anta Diop a formée et qui disait que sans le retour à nos ressources culturelles, à la compréhension de nos langues, nous ne pourrons jamais faire ce qui se passe. Et avant de mourir, Cheikh Anta Diop disait, il appartient aux intellectuels africains de faire l'inventaire de leurs propres pratiques. Ce qui est bon, on garde. Ce qui est mauvais, on va s'en débarrasser tout de suite. Parce qu'on ne peut pas bombarder la poitrine et dire ça fait partie, c'est demain, tradition. Mais il me fallait trouver une méthode. Parce qu'en Mauritanie, on a amené des photos, on a fait des déclarations d'abandon, on a amené l'État, on a fait ce qu'on appelle la reconversion des traditions traditionnelles. D'autres ont dit non, 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 mais ce qu'il faut, c'est la pénalisation. Ça n'a pas marché. Une femme a dit ce matin, et j'ai beaucoup aimé, quand ma grand-mère m'a amené faire ça, ma grand-mère n'avait pas l'impression de me faire du mal. Excusez-moi de citer chaque fois les intellectuels sénégalais, c'est là où j'ai été formé. Le professeur Bachir Diagne dit « Aucune culture n'a le droit de faire le procès d'une autre culture. » Et Souleymane Bachir Diagne, c'est pas ça ou c'est pas n'importe qui. Il dit « Aucune culture n'a le droit de faire le procès d'une autre culture. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Aucun n'a le dire que ma culture est meilleure que l'autre, mais il veut aussi engager la responsabilité des intellectuels africains à voir ce qui ne va pas dans leur propre culture et essayer à s'en débarrasser. Donc, j'ai dit, bon, comment je vais trouver une méthode qui me permet de traiter de cette question dans ma langue nationale, en me faisant comprendre par les populations et en faisant attention à ce que j'appelle les canaux traditionnels de communication. Je parle d'une question taboue, je parle d'une question qui renvoie à la sexualité, comment je dois faire pour que les gens m'écoutent sans être offusqués. Troisième élément, donc, je me suis dit, mais pourquoi vous pratiquez la pratique des MGF? Donc, j'ai dit, quand vous demandez, il y a trois éléments qui reviennent. Je ne vais pas les citer faute de temps. Les gens vous diront, je pratique la MGF pour empêcher ma fille d'avoir un enfant en dehors des liens du mariage. Dans des sociétés endogamiques où je suis une sow, je marie une sow, si ma fille a un enfant en dehors des liens du mariage, ça perturbe ce que les gens appellent le mythe de la pureté généalogique du sang. Donc on est stratifié selon le système de caste, donc on doit faire attention à la sexualité de la femme. Donc je me suis dit, bon, voilà ce que je vais essayer de faire. Dans un premier temps, je vais chercher à connaître la mutilation génitale féminine. Dans un deuxième temps, je vais collecter un ensemble de pratiques, un ensemble de motifs avancés. On m'a donné des chansons. On m'a dit, une fille excisée n'aura jamais un enfant en dehors des liens du mariage. Je note. On me dit, une fille qui n'est pas excisée est inapte à la prière. Et une fille qui n'est pas excisée ne peut pas avoir des enfants qui vont réussir socialement. Je note. Dans un premier temps, je ne critique pas. Je suis passif dans la collecte des interventions. Il y a aussi des chansons. Je regardais la télé à la maison, j'ai vu une griotte sénégalaise, Kumba Gaoulo Sek, Santé Yomale. Je dis à ma femme, elle va être boudée par la communauté Halkoular. Ça, c'est une chanson qui reste dans la sphère privée, elle ne va pas dans la sphère publique. C'est quand une fille est vierge, on lui fait cela. Donc, quatrième élément des raisons de la pratique des MGF, c'est la persistance de la virginité. La fille doit arriver vierge au mariage. Il y a des cadeaux, c'est lié au prix du sang, ce qu'on appelle la virginité. Quelqu'un a demandé tout de suite parmi les hypothèses pourquoi la persistance des MGF en Mauritanie au Sénégal malgré tout ce combat. J'ai dit à ma sœur Fatou, le fait que les hommes demandent en mariage des filles vierges, ils ont une part de responsabilité dans une persistance. Moi, au niveau de mon équipe, nous émettons aussi cette hypothèse. Tant que les hommes vont s'amuser durant toute leur vie et au moment de se marier, dire j'ai besoin d'une fille vierge, les mamans vont continuer à exciser leur fille en se disant vraiment que c'est la même retour. Une fois que j'ai ces arguments, j'essaie de les confronter à la réalité.
Je me rends compte que dans ma communauté, il y a des femmes excisées. Pourtant, elles ont eu un enfant en dehors des liens du mariage. On me dit une femme qui n'est pas mariée et qui n'est pas excisée n'est pas apte à la prière. Je suis un sot. J'ai des oncles paternels sénégalais qui sont mariés à des Wolofs qui ne le pratiquent pas. Je dis, vous allez dire que mon oncle a passé toute sa vie avec une femme impure. Les gens commencent à se taire. On me dit, une fille qui n'est pas exigée ne peut pas prier. Je regarde les clauses de la prière, il n'y est pas mentionné un seul élément, que le fait d'exiger fait partie des conditions de la prière. Alors j'ai compris quoi? On est dans un système qui cherche à domestiquer la sexualité de la femme afin de mieux la contrôler. Donc notre hypothèse, c'est dans des sociétés où l'honneur de l'individu, dans des sociétés où les représentations culturelles sont très fortes, on doit tout faire pour que la femme, elle reste tranquille. Donc la vraie hypothèse, la vraie raison, j'ai compris tout de suite, ce n'est pas ce qu'on me dit, mais c'est ce qu'on ne me dit pas. Domestiquer et contrôler la sexualité des femmes. Là maintenant, le grand chantier, c'est quoi? C'est comment élaborer des contre-arguments culturels pour lutter contre une pratique qui est là depuis des millions et des millions d'années. Si ta tête te fait mal, on te donne des aspirines, elle se calme. Mais si une femme excuse sa fille dans l'intention de la mettre à l'abri de la tentation du plaisir charnel, celle-là, ça ne peut pas disparaître d'un seul coup. D'autant plus que, si vous prenez, comme a dit Fatou, les gens même qui mettent les programmes pour lutter, eux-mêmes, ils font la propre pratique. Je vois mal aujourd'hui en Mauritanie un député, on a déposé la loi depuis 2008, mais le Parlement ne veut pas le voter parce que les électeurs ont besoin des voix. Et quand les populations n'adhèrent pas plus ou moins à une pratique, les gens font extrêmement attention à cela. Donc, j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Identifier les arguments culturels. Ne pas aller à gauche, à droite, faire la lecture, non. Vous parlez votre langue, vous demandez aux gens pourquoi vous le faites et quels sont les différents procédés que vous utilisez pour faire cela. On vous dira les chansons, les mythes et ce que j'appelle les proverbes. Élaborer des contre-arguments culturels pour les débusquer. Insister sur l'insistant, sur ce que j'appelle, si vous voulez, ça c'est la méthodologie que je donne aux étudiants, pour leur dire faites attention. Je ne connais pas les autres communautés culturelles, mais dans la communauté à laquelle j'appartiens, le concept n'a rien à voir à la pratique simplement qu'il faut faire. Cela permet quoi? D'éviter les amalgames. On te dira dès lors que le garçon doit faire la circoncision masculine, la femme aussi doit... Mais ça n'a aucun lien, ça n'a aucun rapport. La circoncision, comme a montré Madame Fatou Sarr, même si elle est antérieure à l'islam, finalement, ça a été intégré au corpus religieux. Mais concernant les MGF, si vous voulez, on n'a jamais dit de telles choses, n'est-ce pas? Et surtout, moi, je considère que dans nos sociétés, il y a une culture de violence à l'endroit de la femme. Quand une femme est battue, quand une femme est frappée, il y a une complicité, il y a une hypocrisie silencieuse au niveau du genre masculin pour chercher un maslaha, c'est-à-dire un compromis. Donc les femmes même ont des difficultés à se plaindre, ont des difficultés même à extérioriser leur souffrance. Et je dis souvent à mes étudiantes, on ne peut pas quantifier la souffrance d'une femme. Ce n'est pas en termes de 20 kilos, en termes de 2 tonnes, parce que la souffrance, elle est morale, elle est existentielle, elle est physique et elle est métaphysique. Et je dis donc, il faut aussi que les hommes arrêtent dans nos cultures, au moment de se marier, de parler de la fille vierge. Imaginez un jour, si au sein de cette communauté, les femmes faisaient la réciprocité en disant « je ne me marierai qu'avec un homme vierge », il n'y aura jamais de mariage. Parce que les hommes, ils passent tout leur temps à s'amuser avant leur mariage. Et au jour du mariage, il y a le réflexe masculin et maso qui revient, qui consiste à dire, nous allons faire. Et enfin, j'ai dit, il faut combattre toutes les formes, n'est-ce pas, d'identité meurtrière. Qu'est-ce que j'appelle identité meurtrière? Qu'est-ce que quand quelqu'un me dit, ça fait partie, c'est-à-dire, ça fait partie de mon identité culturelle. J'ai dit, oui. Tu as le choix d'affirmer, de défendre ton identité culturelle dans un monde en mondialisation où les spécificités culturelles sont en train de disparaître. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit particularisme culturel, j'ai dit spécificité culturelle. C'est d'accord. Mais quand ce que tu pratiques peut mettre en danger la vie au sein des communautés, j'ai dit cette forme
d'identité culturelle, il faut la combattre systématiquement. Aucun n'a le droit de faire souffrir une fille, de faire souffrir une femme au nom de la préservation, si vous voulez, de son identité culturelle. Et c'est pour vous dire simplement que dans le cadre de la lutte, ça, ce sont les arguments culturels, ce qui n'est pas clair, qui ressemble à du grec, parce que j'ai écrit dans une police en poulard, ça, c'est les contre-arguments culturels. Et au niveau de la conclusion, voilà ce que j'ai toujours voulu dire. Patrice Meyer-Biche a l'habitude de dire que toutes les cultures se valent en termes de dignité. Avant lui, professeur Souleymane Bachir Diagne avait dit « Aucune culture n'a le droit de faire le procès d'une autre culture. » Mais si on doit se battre contre une pratique culturelle négative, qu'est-ce qu'il veut dire aux gens? Il faut leur dire la phrase de Patrice. Même si toutes les cultures se valent en termes de dignité, il nous faut un critère pour évaluer la bonne pratique et la mauvaise pratique. Et Patrice, il est très clair. Il dit, si nous devrions évaluer une culture, quelle qu'elle soit, occidentale, amérindienne, africaine, sénégalaise ou mauritanienne, c'est est-ce que cette pratique respecte la dignité de la femme? Si elle respecte de la dignité de la femme, elle fait partie de notre patrimoine culturel. Si elle n'en fait pas, il faut s'en débarrasser. Je dis donc, il faut qu'on se batte contre cette culture du silence pour qu'enfin cesse les souffrances des jeunes filles Halpoular, des jeunes filles africaines et des filles. Et je termine par là. Quand j'ai élaboré la contre-argumentation culturelle, comme je parlais en Poular, j'ai été en Casamance, j'ai été à Tambacounda, j'ai été au Mali, là où les gens parlent cette langue, cette contre-argumentation culturelle fonctionne de manière transversale. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et si vous me permettez, je reste dans les français parce que c'est plus facile pour moi. Et surtout parce que j'ai envie de réagir à votre intervention, si vous me permettez. Donc, on a ici trois méthodes de combat, de lutte contre la FGM. Et on peut dire, tous les trois ont des limites et ont des bénéfices. Je trouve que dans l'exposé de Moira, il y a une analyse très critique d'une façon globale d'analyser la situation. Tostan, c'est dans un discours global de droits humains. Par contre, l'approche de Adriana Kaplan et du professeur, c'est plutôt local. Donc, je voudrais commencer en ouvrant ce débat en demandant de réagir sur la question, c'est à Moira, par exemple, la question de droits de l'homme, droits humains et, comme on peut dire, comme dirais-je, une critique d'une. Est-ce qu'on peut parler de droits humains, de human rights mainstream as new liberal imperialism? Je sais. But is it a question? Is there a question? Et de l'autre, je laisse à côté un peu Adriana parce que après. Ah, yes, in English. Mais je pose la question en français, après c'est plutôt pour le monsieur. Ça veut dire qu'on peut penser, oui, que toute la question de l'excision, de mutilation génitale féminine, c'est une question culturelle, mais aussi comment, même les contre-argumentations culturelles sont culturelles. Et d'une certaine façon, ça renvoie en même discours que c'est la dignité de la femme et les droits humains de la femme. Et je vous invite à réagir sur le fait que les droits humains ont une histoire en Occident. Et donc, là aussi, ça pose quelques problèmes entre niveau global et niveau local. Adriana, the question was for three. Global law versus versus local context. And then we have 40 minutes. The first round, okay? Je voulais apporter une petite clarification. Dire que la question des droits de l'homme vient de l'Occident, c'est faux. Ce qui vient de l'Occident, c'est l'écriture de la charte de manière positive. Nous sommes dans des sociétés où ce que l'homme doit faire ou ce que l'homme ne doit pas faire n'est pas déterminé par un article. Sinon, si on avait pénalisé, la MGF allait disparaître.
La loi n'est pas ce qui... Moi, dans ma culture, il y a le terme qui consiste à dire « hujjaji ». Hujjaji, c'est le droit. Quand une femme se marie, vierge, elle a droit à ça, elle a droit à ça. Elle n'a pas droit à ça et tout ça. On dit même dans ma culture que « nedo moher sita wana nedo ». Chez nous, l'homme, ce n'est pas celui qui a la raison, c'est celui qui a la capacité d'éprouver la honte. Donc, il faut tenir compte de ces diversités culturelles. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que c'est dans la tradition occidentale que cette charte a été écrite de manière positive. Mais antérieure à cela, dans toutes les cultures humaines, vous avez la notion de la dignité humaine et de ce qu'il ne faut pas faire pour violer, si vous voulez, la notion humaine. Deuxième élément, pourquoi je parle de contre-argumentation culturelle ? C'est que dans la plupart des campagnes de sensibilisation, les gens parlaient en français. Quand vous parlez en français devant un auditoire où 99% ne comprennent pas la langue, on va applaudir par courtoisie à la fin de votre communication, mais les gens n'auront rien compris. Quand vous leur parlez dans leur langue nationale, vous touchez à leur génie culturel, vous touchez profondément, sans décodeur, comme disent aujourd'hui le langage des jeunes, il n'y a pas de... La connexion, si vous voulez, elle est très directe. Je sais que c'est très difficile. C'est très difficile parce que la plupart des intellectuels de notre génération, c'est des intellectuels décérébrés pour parler comme truc. On a parlé français. Moi, j'ai eu la chance de faire mes études à Dakar. Il y avait des cours en première année où il fallait faire un examen dans l'une des langues nationales. C'est comme ça que j'ai basculé dans ma langue et j'écris et parle. Si aujourd'hui quelqu'un comprenait ici Poulard, je peux vous parler dans un Poulard vraiment pour me faire comprendre, mais c'est encore plus fort, c'est encore plus émouvant quand je parle, si vous voulez, cette langue. Donc, pour me résumer, la culture occidentale n'est pas la matrice originelle du respect des droits de l'homme. Ça, je veux qu'on soit très clair là-dessus. Et voilà. Deuxième élément, le fait de parler dans sa langue amène les populations à mieux comprendre votre discours. Pour preuve, la plupart de nos hommes politiques, à cause des processus démocratiques, commencent à apprendre leur langue nationale. Ça, c'est un fait qu'on retrouve dans tous les pays africains où le processus électoral s'est engagé. Je vous remercie. Thank you. It's a very interesting question. Always you put the finger in the right place. I think that there is a new way of this colonialism with this globalization and the messages that come across. And in the results that we realized, for example, about this religious issue that we were talking, well, it's half of the population in the Gambia that we have surveyed that they believe it is a religious injunction. But, you know, globally, you know, the full issue is coming that Islam, Islam, Islam. Then you are giving power to someone that doesn't have that much power. For example, this is what I'm finding between this game of globalization, of how we conceptualize, or how do we talk about this human rights issue, because human rights were not invented in Africa. Who needed to invent them? Someone that had a need for something, no? I think. But about men, the role of men, and this has to do with virginity. Virginity is not only has not only to do with FGM. In most societies, virginity is something, okay, very valued, and you know, needed to be taken as a gift for the men. So why are we always putting things that maybe don't have the right place in what we are trying to build in terms of knowledge? This is my worry, that you know, there is a prof, she was saying that there is need for local knowledge and not in a parachute, no? You were saying in a parachute coming with some ideas that were very nice, and in New York, in Berlin, or in Geneva, they sound perfect, and they want women dancing and drumming, and nice dresses, and killing 2 cows and 5 sheep, and making the big declarations. And so I think that there is a clash between one and the other, that not very much knowledge, local knowledge, is being taken in consideration, it's been built up. And all this globalization and things coming from the Western is taken as some of the activists.
and they don't match with the true knowledge of the people. And I think this is something that we are creating some paradigms that are not their real paradigms. I don't know if I have been very clear. Then just the last thing, where are the girls? My question is, where are the girls? I've been working 30 years only on this issue. Where are the girls? We don't talk about the girls. Anybody think about the girls when we apply the law? Anybody's thinking about that they're double victims of the law and the tradition? In the name of human rights, the law will not change nothing. It's forbidden to kill, it's forbidden to rape, it's forbidden to drink drunk. And people, so you see, it's a matter of education and it's a matter of really knowing and pick up the knowledge of the people to make it as a mirror and see how they can change. It's for the health professionals to realize that they have seen all the consequences, but they never relate them to FGM. It's part of their culture. Don't come with the law, don't come with human rights when they don't have drinking water. And I think this is something that we need to understand. When you work and when you live in an environment that is poor, poor means they don't have drinking water, they have open sanitation. How can you talk about human rights? Who are you to talk about human rights? You're nobody. You become small, very, very, very small. Thank you all for your presentations. Merci beaucoup, professeur Ablaissot. Je vais poser ma question en français pour que vous pouvez aussi l'écouter. On a parlé ici avec Fatou Sarr le matin que les gens, à l'abri de ces programmes, ils vont dire les choses socialement acceptables aux bailleurs de fonds. On a parlé ici avec Moira about how these programs are conceived, having the individual. Sorry, I'm switching languages. C'est un peu. On a parlé aussi que l'individu est au centre de ces promotions, et on a parlé aussi de côté de professeur So, de comment il faut parler les langues locales pour arriver et réussir aux gens. Mais Adriana aussi a touché à la question de la connaissance locale. Mais je voulais seulement dire une chose. C'est rare de voir des gens qui conçoivent des programmes dire qu'ils ne comprennent rien de la culture locale. I will translate in English for Adriana. It's very rare that we listen to someone that conceives of programs that they don't understand anything about local culture. And je vais revenir au français. Et si on n'est pas capable de dire qu'on ne comprend rien, donc on va utiliser nos propres représentations pour mettre en place des programmes. Et ça, c'est quand on parle d'éducation des gens dans les communautés, mais moi je dirais plutôt éduquer les gens qui vont sur le terrain. OK? Et pas le contraire. Parce que ce n'est pas toujours nous qui devons donner des leçons aux Africains, comme professeur So a bien dit, les droits humains, aux droits de l'homme. La préoccupation avec la dignité n'est pas une possession des Occidentaux. Toutes les cultures l'ont pensé, ont réfléchi là-dessous. Sundiata Keïta a fait la première constitution dans le monde connu, écrite. Et là-dedans, il y avait déjà une préoccupation avec ce qui est la société, ce qui est la relation entre les personnes. Donc, arrêtez de dire que les droits humains appartiennent seulement à l'Occident. La politisation des droits humains, si, appartient à l'Occident et a été mis dans une autre logique d'intervention politique qui n'est pas seulement concernée avec les droits de l'homme. Bon, si vous pouvez réagir, je ne sais pas, à vous. Mon ami Ricardo, je te remercie et tu as posé la question de fond. Vous savez, nous, en tant que chercheurs africains, quand on vient dans ce genre de forum, il y a des vérités que nous n'osons pas dire pour ne pas nous faire des ennemis. Beaucoup de chercheurs qui viennent en Afrique ne savent pas que les questions qu'ils posent, on leur donne des femmes à qui
Les réponses sont déjà programmées. Vous venez dans un village, on vous dira, il y a une femme toubab qui va venir poser des questions sur la nutrition, sur la santé de la reproduction. Les femmes, elles ont déjà des discours préfabriqués. Quand on te dira ça, c'est une femme toubab, il faut lui dire ce qu'elle plaît, ce qu'elle a envie d'entendre. Ça, nous, on connaît ça. Mais souvent, si vous dites ça, on va dire, oui, vous vous particularisez. Mais j'ai dit, c'est pourquoi je me méfie beaucoup des statistiques, des courbes qui ont été faites dans ce genre. Ça, c'est des réalités que généralement on cache aux chercheurs occidentaux, occidentales qui viennent. J'ai même découvert que lorsque la mission de l'ONU est venue à Nouakchott, j'ai travaillé avec eux. Je leur ai montré comment on appelle, comment on choisit les anciens terroristes qui se disent repentis et qui aujourd'hui gagnent leur vie à force de faire des témoignages. Et que les gens partent, ils font des publications au Conseil des droits de l'homme, mais moi je sais que c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que la question qui se pose, on ne peut pas faire un programme, demander à des gens de changer de comportement si tu ne connais pas leurs valeurs socio-culturelles. Je vous prends un exemple tout concret. Tout concret. Quand vous prenez ça en milieu poulard, il y a deux mots pour le dire. Il y a le derrière et il y a ce qu'on appelle les fesses. Une fille vient me voir à Nouakchott, je n'étais pas à la maison. Ma fille me fait la description. On dit, papa, on me wende tchagal, on me wende tchagal, elle a un derrière. Toutes les femmes ont un derrière. Mais c'était une manière symbolique de me dire, elle a un derrière plus ou moins dégagé. La plupart des programmes, pourquoi ça ne marche pas? Je vous donne un cas concret. On fait des enquêtes sur la Mauritanie. Celui qui a gagné le questionnaire est un Français qui vient de Marseille. Et on demande aux populations, à des vieux âgés, on forme des étudiants, sans tenir compte des réalités socioculturelles, on leur demande quand est-ce que vous êtes marié, vous aviez combien d'enfants. Cette question, elle est insolente quand on la traduit dans les langues nationales. Quand les gens sont venus me voir, j'ai dit, venez avec moi, je vais vous donner le code. Les étudiants étaient là, l'anthropologue marseillais était là. J'ai dit à quelqu'un, Kau, c'est-à-dire le frère de ma mère. Je lui ai dit, à quelle date tu es rentré dans la case? À quelle date tu es rentré dans la case? Au lieu de lui dire, est-ce que tu es marié, est-ce que tu as des enfants? Je lui ai dit, à quelle date tu es rentré dans la maison? Il m'a dit, tu m'as dit quelque chose que je connais très bien. Est-ce que c'est pour la première fois, la deuxième fois ou bien la dernière fois? Ça veut dire que si vous ne comprenez pas les codes culturels d'une population, au niveau même du véhicule de votre interprétation, il est certain qu'il y aura des crispations. Vous allez passer à côté. C'est pourquoi aujourd'hui, avant de venir ici, j'ai dit devant les Nations Unies, là-bas à Nouakchott, il y a un agacement par rapport à la question des mutilations génitales féminines. On a mis de l'argent, on a mis de l'argent, on a mis de l'argent. Les femmes ont dansé, les femmes ont chanté au niveau des ministères. La pratique, elle est là, elle n'est pas disparue. La dernière étude que je n'ai pas voulu faire, c'est parce que l'UNICEF à Nouakchott et le FINIAP voulaient que je dise que la pratique a reculé. J'ai dit, moi, je suis un chercheur. Je ne suis pas un politicien. Si vous êtes fatigué de mettre de l'argent, dites que vous êtes fatigué de mettre de l'argent. Mais ne me demandez pas à écrire en tant que chercheur universitaire. Je serai lu par mes pairs de dire des contre-vérités. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? On a trouvé un autre. Il a rédigé le rapport et il a dit que la pratique a reculé. Donc on fait face à ce genre de problème. All right. Thank you. Thank you all three for a wonderful presentation. I wish that we had more time to examine further. I wanted to direct a sort of comment and a question to Dr. Maria. I'm from Sierra Leone, and I wanted to talk a little bit about human rights. But funnily enough, not from necessarily an FGM kind of background. I was just reflecting that I started working seriously on FGM in my country just after the war. Most of you may know of the civil war that happened in Sierra Leone, finished in 2002. And the whole issue of human rights in the way it's been discussed vis-a-vis the problem of FGM, it kind of gives it a bad press that when you look at it, perhaps in context of FGM, but slightly out of context, because in itself, I think, and I speak as an African woman, in itself, human rights just makes good sense.
And regardless of your educational background, whatever, when you hear it for the first time, you think, of course, that makes sense. And the example I want to give, in my country, after the war, and it was coming back to this paradigm of individual versus community. Now we know that, at least in African communities, the tendency is to look at the community as the sort of driving force, the motivation for people's beings, etc., vis-a-vis the West's view that it's the individual who makes decision. But I was just reflecting back to, I was just going around in communities, really, in my country, not actually beginning to work on FGM, just looking at things that affect women and girls, especially young girls, adolescent girls, and how the human rights idea was so powerful for people as individuals, because it was the first time that for many pockets of my communities in Sierra Leone, that these communities had power to decide over themselves, and human rights was the only vehicle that gave them that. It didn't come from what the British left in 1960 when we got independence, because those institutions and structures did not actually, as somebody was suggesting, that actually there's power in ignorance, we know that full well. But it was for the first time that communities began to understand through a human rights approach that, first of all, they had the right to make those decisions, and they had the right for those decisions to be respected. And that, you know, I just want to lay it out that came from a human rights sort of background, really. And again, just reflecting, you know, you sort of pull back and think about FGM, again, in my country, and I was saying to somebody recently, you know, Sierra Leone is such a close case when it comes to this issue, and I'll be able to perhaps talk about it a little bit more tomorrow. But, you know, sometimes it's like a bottle of Coca-Cola, my country, especially when, you know, I've been working there now since 10 years solid on just FGM, a few other SRH issues. You know, so when you come to the top, you find this, you have your political and cultural gatekeepers. But a lot has been happening to us, especially the women in Sierra Leone. And if you remove the top, something else is going to happen. So, and you know, women's minds, women's perceptions, women's ability to see and to apply wisdom, you know, basic wisdom to their own circumstances is there. And I think most of you would recognize this in your communities. It's there. It's not that it's not there at all. It is there. So don't throw the baby out with the bathwater. That human rights of itself, you know, is getting a bit of a beating right. And my last thing is, it was very interesting to hear about the critique of Tosten, but could you just give us one or two ideas of your reflections of what you would recommend in place? You know, there's the critique, and how would you rather see it? How else do you think? What more or what else do you think should be? Oui, c'est juste deux commentaires sur la question des droits humains. Ricardo a raison. C'est en 1232-33 que la charte du Mandé existe. Et dans cette charte, la sécurité humaine est garantie. Ce que nous appelons aujourd'hui la sécurité humaine, le droit à la vie, le droit à la nourriture. Et c'est ça qui permettait de sécuriser le droit du migrant dans l'empire du Mali et qui a permis l'exploitation des ressources à un point tel que Kanka Moussa a défié les chroniques. Mais c'est parce qu'on a permis, on a garanti le droit du migrant qui est venu exploiter les mines d'or. Il y a la garantie du droit de la femme, en tant que ses droits en tant que mère, comme ils disent, mais ses droits politiques aussi, parce qu'elle a le droit de participer à l'activité politique, à la décision politique. Et pourtant, cette charte est antérieure à celle britannique de McNamara, elle est antérieure à la déclaration de 1789. Donc quand on vient nous dire oui, les questions de droit, il y a à relativiser et voir ce que les cultures ont produit. Sur Tosten, moi j'ai assisté à la naissance de Tosten au Sénégal. Une naissance malheureuse. Tosten n'était pas venu d'abord sur l'excision. Elle est venue en 96-97 sur l'alphabétisation fonctionnelle. Et j'étais là consultante de UNICEF quand deux projets ont été présentés, celle de Aram Fall, la première linguiste du Sénégal de l'IFAN, et celle de Mélie Motcher,
son organisation n'était même pas encore reconnue. On a préféré donner à une Américaine, ancienne corps de la paix, un programme d'alphabétisation alors que nous avons une experte, une docteur, la première linguiste du Sénégal qui propose son projet, on refuse. Parce que c'est les Américains qui finançaient l'UNICEF. Alors, c'est parce qu'elle a échoué dans cette démarche de l'alphabétisation que l'exclusion est devenue le point important. Et évidemment, après, on continuera à parler d'exclusion. Mais le projet de départ de Molly, c'était l'alphabétisation. Moi, je pense qu'il y a quand même une solution. C'est de comprendre, je crois que la solution, c'est de commencer, comme l'a dit Ricardo, à apprendre des communautés. Apprendre des communautés et arrêter de les culpabiliser. Il faut une démarche compréhensive parce que les communautés, en réalité, ont évolué. Elles ne sont pas restées dans les pratiques qu'elles avaient au XVIIIe siècle, au XIIe ou au XVIIe, XVIe siècle. Essayez d'étudier comment elles ont abandonné des pratiques par le passé. Donc, elles ne sont pas statiques et aucune pratique ne reste en l'état. On peut beaucoup apprendre de nos relations avec les Arabes, avec la religion musulmane. Comment nous avons adhéré à des principes, à des valeurs qui nous viennent d'ailleurs? C'est parce que le rapport n'était pas un rapport de force. C'est parce que dans la rencontre avec l'autre, on a choisi ce qui nous a arrangé et ce qui ne nous arrangeait pas. Malheureusement, le rapport avec la France, pour certains, avec le colonisateur, a été un rapport brutal. Et ça reste dans les consciences. À chaque fois que des occidentales viennent encore nous dire « voilà ce que vous allez faire », il y a encore la souffrance de cette mémoire. Or, toutes les cultures bougent, toutes les cultures évoluent. Nous pouvons apprendre des cultures occidentales, nous pouvons apprendre des cultures chinoises et ailleurs. Mais je crois que la question de fond, c'est de... Les anthropologues ont du travail à faire sur certaines questions majeures. Comment ces sociétés ont abandonné des pratiques? Comment des sociétés en ont adopté de nouvelles? Si nous arrivons à décoder cela, nous pourrons savoir comment passer de ces formes de mutilation génitale à d'autres. Je sais que les Wolofs faisaient la mutilation génitale, parce que je me suis dit, dans l'espace de Sénégambie, pourquoi ils sont les seuls, alors qu'on appartient tous, on est tous des héritiers de l'empire du Mandeng. De la dislocation, c'est comme ça que les autres sont partis. Dans l'article que j'avais publié en 1999 dans la présence africaine, j'avais découvert, en interrogeant de vieilles personnes qui restaient encore, elles m'ont dit qu'elles ont substitué l'excision à simplement des techniques d'atrophier les nerfs qui donnaient la sensation. Donc, on peut... Moi, je ne renonce pas. C'est pourquoi j'aime beaucoup la présentation de Sow, de retourner au proverbe, de retourner au discours. Si on les comprend, on peut amener les gens à changer. C'est ce travail, à mon avis, qui nous reste à faire. Je ne crois plus au questionnaire bête. Parce que, comme je dis, c'est un rapport instrumental. Ils vous diront, on l'a appris nous tous. Parce que ce que j'ai découvert, vous trouvez un Sénégalais qui va interroger un autre Sénégalais. Il sait très bien, je l'ai découvert avec mes étudiants, que la réponse, elle est fausse. Parce qu'il connaît, il est de la culture, il sait que c'est faux, mais c'est ça qu'il va noter. Et je dis à mes étudiants, on est tous de la même culture, vous savez très bien que cette réponse, elle est fausse. Mais comme c'est le questionnaire qu'on lui a donné, lui, il n'a aucune prise là-dessus, il écrit ce qu'on lui a demandé de faire. Je crois qu'on a du beau boulot, et je remercie vraiment les chercheurs, les présentations, ça nous permet de nous nourrir mutuellement. Merci. Alors, du moment que Ricardo m'a... Pour finir, je vous remercie beaucoup. Il faut faire attention à la politisation des discours, des droits humains, de tout. Il faut faire attention à la politisation et vive la recherche. Donc, je dis comme ça, on va... Merci.